Bonjour, nous sommes aujourd'hui au quartier Montreuil à Laon pour la journée Tous Égaux organisée par l'UTAS de Laon. Bonjour Madame Legrand, bonjour Madame Basseux, quel est l'objectif de cette journée ? Alors l'objectif de cette journée, c'était de déconstruire les stéréotypes de genre. Tout ça autour de trois pôles. Le pôle de la prévention et de la parentalité. Donc avec par exemple la PMI, un stand où on pouvait démontrer qu'un homme pouvait changer les couches de son enfant. Le pôle de la culture, où on a eu une pièce de théâtre sur le thème, avec le matin des collégiens et l'après-midi tout public, et puis aussi de la musique. Et le dernier pôle était le pôle insertion professionnelle, avec cette fois des professionnels qui venaient en fait montrer qu'une femme pouvait être tailleuse de pierre, un homme pouvait être assistant social. Et voilà un petit peu l'idée générale, de démontrer que en fait il fallait déconstruire ces stéréotypes et qu'il n'y avait rien qui était figé pour les hommes ou pour les femmes. Bonjour Fanny Allu, vous êtes tailleuse de pierre, un métier très genré. Pourquoi avoir décidé de participer à cette journée ? Bonjour, alors j'ai décidé de participer à cette journée parce que dans mon métier, en fait, dans la vie de tous les jours, je rencontre énormément de difficultés avec certains hommes qui pensent que les métiers physiques, les métiers du bâtiment, notamment le métier de tailleur de pierre, ne sont pas faits pour les femmes. Alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Moi, ça fait 12 ans que je fais ce métier. 12 ans que je suis passionnée depuis le début. Alors certes, c'est un métier difficile, mais c'est un métier avant tout passionnant parce que quand on a réalisé une œuvre, quand on a restauré une église, un château, un monument historique, on est super fiers et c'est vraiment super gratifiant. Et bien évidemment, cette journée est ouverte à tous. Du coup, comment on fait pour changer une couche ? Ok, allez-y, on va enlever le petit. Non. Non. Jamais la tête...